Shalom à toi, frère. Shalom à toi, sœur. Je te souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection, jour de fête, jour où nous nous réjouissons d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, le Christ ressuscité, mort et ressuscité pour nous. Et en ressuscitant, il nous a fait entrer dans sa gloire. Alors nous voulons entrer dans cette dimension de résurrection, entrer dans cette dimension du Dieu vivant en chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée, pour ce dimanche, ce jour qui t'est consacré. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui s'achève. Merci pour la nouvelle semaine qui va commencer. Merci pour tes grâces. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Aujourd'hui, Seigneur, dans l'évangile de ce jour, tu nous parles de la parabole des talents. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, prendre conscience de tout ce qu'il y a en nous. Et nous réveiller, nous éveiller. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prier le Seigneur d'envoyer son Esprit Saint. C'est par son Esprit que nous arrivons à mettre en avant ou alors à fructifier les talents qu'il nous a donnés. Alors, Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens en chacun de nous. Viens faire fructifier les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Aujourd'hui, je ne veux plus rester couchée. Je suis restée couchée dans ma chambre durant toute la semaine. Je veux me réveiller. Je veux me faire beau, je veux me faire belle pour toi, Seigneur. Je veux sortir, je veux aller à la messe. Je veux me lever, Seigneur, je veux m'éveiller. Il n'est plus question de rester dans la stagnation, de rester dans cette latence, Seigneur. Mais je veux me lever. Je veux proclamer ta parole autour de moi. Je veux parler de toi. Je veux témoigner ton amour pour moi, Seigneur. Alors envoie ton esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens et éveille le champion qui est en moi. En chacun de nous, moi je crois fermement qu'en chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose. Alors il n'est pas question de rester tranquille. Il n'est pas question de dormir. Il n'est pas question de rester toujours la personne qui va profiter des autres. Mais priez au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux être cette personne qui partage. Je veux être cette personne qui donne. Je veux donner de moi. Je veux donner de ma personne. Je veux fructifier ce que tu m'as donné, Seigneur. Alléluia. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit.
dans ta chambre depuis des jours. Que le Seigneur te relève, que le Saint-Esprit éveille le champignon qui est en toi. Éveille ce côté attendu par Dieu. Ce côté en toi qui est attendu par Dieu. Ton Dieu t'attend. Il t'attend dans ta communauté. Ton Dieu t'attend dans ton lieu de travail. Il t'attend autour de toi, dans ta famille. Il veut que tu parles de lui. Il veut des ouvriers à sa moisson, car sa moisson est abondante. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée, pour ce dimanche. Nous te confions le bon déroulement de ce dimanche. Nous te confions nos familles, nous te confions nos vies et tout ce que nous sommes. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit, Paraclet. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.